Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, là, Jésus-Christ va développer une idée de Tigeta et mettre dans chapitre 5, là, dans verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire, il montre clairement, déjà, eh bien, justice scribe avec pharisien, yo, eh bien, c'est une justice qui chita sous forme, non bagay, mon kawe, mais au fond, pas gain en rien du tout. Et le Ral dit ça dans le premier verset, dans le chapitre 6, là, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est bon, c'est clair, moi, Jésus-Christ, là, eh bien, pas ta remè que nous-mêmes n'apprenons des formes, nous fait semblant, n'a fait ça qui bien, et pourtant, c'est faux, et ça, c'est hypocrisie liée, donc, il cap combattre hypocrisie qui est capable de gagner en dans l'église, là. Et, libéral commencer pour le dire que, eh bien, si ou abay moun, eh bien, ou pas besoin de sonner trompette, donc, pour faire moun, ouais, que ou abay. Donc, si ou fait ça, eh bien, ou get en joindre récompense déjà. Donc, si ou bay avec main gauche, main droite, pas gen doit connaître, si ou bay à main droite, main gauche, pas gen doit connaître, les ou prier, eh bien, ou pas besoin de multiplier paquet de paroles, pour comme si, c'est penser que c'est un paquet de paroles, ça, bon, je vais l'entendre. D'ailleurs, il dit que, bon, je vais t'en qui sont besoin. Dans la deuxième partie et chapitre là, il mettait accent un ben sur Jésus-Christ va lui mettait accent sur bagaille que nous bail priorité, bagaille qui occupait l'esprit nous, qui capable faire que nous mettait bon Dieu en deuxième plan. Par exemple, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur dans verset 21. Donc c'est pour montrer clairement toute bagaille ou bagaille plus important se passe mon Dieu, eh ben c'est lui-même qui prend place mon Dieu dans la vie ou. Et c'est ça que Paul fait, Paul dans verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire un chrétien son monde qui bail priorité avec bon Dieu. Yon moun ki bay priorité avec royaume bon Dieu. Donc, c'est-à-dire, bay priorité avec royaume bon Dieu. Eh ben, c'est bay priorité avec tout ça bon Dieu vle. Donc, c'est ça bon Dieu vle ou ap chercher frère dans toute vie ou. Donc, là, alors, fin fait ça yo, eh ben, tout l'autre bagay yo, eh ben, yo, bon Dieu bral barou yo après, comme dégui, j'en nous qu'on dit ya. C'est-à-dire, et gagne, même auteur qui parlait des besoins ça yo comme des besoins légitimes parce que c'est des bagay qui, pour nous, qui est important et nous besoin vraiment c'est donc j'en relé yo c'est besoin donc on dit Jésus-Christ parler pour nous pas inquiéter nous pour ça n'a manger pour ça n'a boire pour nous garder n'a péter sous nous j'en des bagages ça nous pas qu'à vivre sans yo on monde pas qu'à vivre sans pas manger on monde pas qu'à vivre sans pas gon côté en fait li habiter on monde pas capable vivre sans pas mettre gal sous lui on monde n'a pas intérêt pour l'inquiéter pour bagages ça mais pourtant Jésus-Christ dit nous pas gain droit inquiéter pour yo. En réalité, en fait, ça yo, c'est des bagailles, c'est inquiétude là même qui pas bon. C'est inquiétude là qui pas bon. D'ailleurs, Jésus-Christ même dit, nous pas ta doit inquiéter même pour avenir nous. C'est si bien de ça demain comment demain à payer et bagaille c'est aussi bagaille qui mérite pour monter semble mériter pour monter inquiéter pour yo parce que pour qui ça? Parce que chaque jour bagaille va venir plus difficile. Mais pourtant, eh bien, la Bible mandé pour nous pas inquiéter nous. Bon, c'est une raison qui fait Jésus qui mandé pour nous pas inquiéter nous. C'est parce que inquiétude pas marcher avec la foi. Donc, deux bagailles ça yo pas marcher ensemble. Et c'est une première raison qui fait Jésus qui mandé pour nous pas inquiéter nous. Et l'autre bagaille là, c'est que inquiétude là, l'irène bagaille yo plus difficile. Ouais, inquiétude grande bagaille plus difficile parce que en pile fois les nous inquiets eh ben nous presque pas gagne qu'en zame encore donc nous censé son monde qui presque pas qu'à faire rien parce que inquiétude dans elle prend cœur nous les lions vaillent nous eh ben nous vient manquer force donc nous pas qu'à faire grand chose et j'en nous dit à inquiétude là eh ben li pas marcher avec la foi donc c'est ça qui fait que eh ben nous pas traduit inquiéter nous donc pour bagaille ça donc ni bagaille que nous gagne comme besoin eh ben nous pas gagne doit inquiéter nous tout pour demain pourtant la Bible montre clairement eh ben nous devons travailler certes
Et lui montrer tout, si nous devons travailler, nous devons planifier. Mais planifier, par lui dit que, eh ben, faut que moi, inquiet. Donc, et Jésus-Christ même dit, nous pas devons inquiet, même pour la vie, nous. Bon, ça, c'est pas qui plus important, vie au monde. Pourtant, Jésus-Christ dit, nous pas gain droit d'inquiéter nous, pour, même pour la vie. Dans verset 27, il dit, qui pense à ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. C'est pour montrer clairement, il y a un monde qui inquiet pour vie, pas même yon instant, pas même yon minute li pa ka ajouté en plus sou vil. C'est-à-dire, inquiétude là pa ka fait en rien parce que jour nou yo, yo compte. Et papa nou nan c'est là qu'on est, ça nous besoin, j'en sou dit là. D'ailleurs, il dit, il prend exemple oiseau yo qui pa planté. Normalement, bon Dieu prend soin yo. Donc, il prend exemple, eh ben, fleurs dans champ yo, dans jardin yo, eh ben, qui belle. Il explique que même Salomon, dans tout gloire, pas de jambes pi bien habillé passif. Donc c'est pour montrer clairement bon Dieu capable de prendre soin de nous. Et là on mon inquiet, et bien c'est la foi que le pas gagné tout bonnement dans bon Dieu. Donc pas inquiéter nous pour vie nous, pas inquiéter nous pour besoin nous, pas inquiéter nous pour avenir nous. Nous allons aller dans chapitre 7.